L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vendredi 23 décembre de la 4e semaine du temps de l'Avent. Les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Rima Ndéa et le révérend diacre Justin Dikounou SMA. Commenté par le Père Augustin Kassa, SMA. Lecture du livre du prophète Malachi, au chapitre 3, du verset 1 au verset 4 et du verset 23 au verset 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice.
Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour ancien, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 24 et nous reprenons. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 1er, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devrait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Il se réjouissait avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit. Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean est son nom. Dans la tradition africaine, nous connaissons très bien l'importance d'un nom. On ne donne pas un nom à un enfant tout simplement parce qu'on a envie de lui donner un nom, mais on lui donne un nom parce que ce nom a un sens
une signification et nous espérons que ce nom sera porteur de bonnes nouvelles pour l'enfant et pour la communauté. C'est aussi une croyance que les Juifs ont tenue et maintenue. Par exemple, quand l'ange visite Marie et Joseph, il leur dit « Le nom de l'enfant sera Jésus », ce qui veut dire « Dieu sauve ». C'est exactement cela qui était le programme de la venue de Dieu sur notre terre. L'incarnation, c'est pour que Dieu puisse sauver l'humanité. Alors le nom Jésus devait refléter ce but que Dieu avait pour son sauveur. De la même manière, dans l'évangile d'aujourd'hui, Élisabeth et son mari Zacharie donnent le nom de Jean à leur fils. Un nom qui signifie « Dieu est miséricordieux » ou « Dieu fait grâce ». Et nous allons voir pendant toute sa vie Jean qui proclame la miséricorde de Dieu, qui offre un baptême de miséricorde et qui montre au peuple juif que Dieu fait vraiment grâce et qu'il a en fait envoyé son Fils pour notre salut. Alors en ce jour, prions que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous son visage afin que nous soyons sauvés. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.